Reprenons la marche avec Élie. Vous en avez, vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer à marcher avec lui, je pense. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17. Élias, il a un vieux noir gaz à menkounir. Yaakov 5, 17. Pensez-vous être un homme comme Élie? Pensez-vous pouvoir faire les mêmes choses qu'Élie? Est-ce qu'en Jésus-Christ, vous pensez pouvoir accomplir les mêmes choses que cet homme de Dieu? Alors je proclame aujourd'hui que je suis de la même nature que lui. Amen. 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 Oh, on peut applaudir plus fort le Seigneur. Nous avions laissé Élie sur un passage dans 1 Roi 19 et au verset 16. Il déprimait. Et il s'était réfugié dans une caverne. Voici qu'il sort de cette caverne. Et il est dans un moment où il discute avec Dieu. Et pour aller vite, on va voir ce que Dieu lui dit. Il lui donne un ordre d'aller maintenant continuer son service. Sans prendre en compte l'état intérieur. Il ne prendra en compte son état intérieur que par la suite. 1 Roi 19, verset 16. Dieu lui dit, tu oindras aussi Jéhu. Fils de Nimshi, Miss Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Voilà, le Seigneur lui dit, bientôt quelqu'un va te remplacer. Tu as encore des choses à faire pour moi. Mais déjà, j'ai prévu la suite. Alors certains, dans nos pays occidentaux, ont eu cette pensée que Élie était... aurait été remplacé à cause de sa faiblesse, de ce moment de dépression. Et moi, je ne crois pas ça. Parce que nous verrons, nous n'aurons pas le temps de les lire, mais dans les chapitres qui suivent, on verra combien du chapitre 20 et au chapitre 22. Et si vous voulez continuer la marche dans ces chapitres-là, lisez chez vous, prenez le temps de lire. Élie va faire encore bien des choses. Il aura encore des prophéties pour Akab et Jézabel. Pour Akazia, le fils qui sera encore pire que le père. Fera descendre le feu du ciel encore deux fois sur des ennemis.
ادي صوب ذغني في مسجيني سنفتي كلا في عذوان sur des ennemis qui venaient pour le saisir غفي عذوني سيدي روحني وكني غفتفن et enfin il recevra une parole de Dieu Élie, je vais t'emmener au ciel. Parce que dans le passage où on sait que Élie a été enlevé au ciel, Élie n'a aucun doute. Il dira à Élisée, eh bien c'est aujourd'hui que l'Éternel m'enlève. Frères et sœurs, croyez-vous au retour du Seigneur Jésus? Amen. 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 Moi, j'ai été élevé. Et on m'a apporté Jésus. Mais Jésus restait accroché sur une croix. Et la résurrection était très peu prêchée. Alors pour moi, quand j'étais enfant, Jésus-Christ était un Dieu mort sur un bout de bois. Mais moi je veux te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est un Dieu vivant et ressuscité. Il est là, il est présent. Et il peut de grandes choses. Et s'il y a une chose qu'il peut faire pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, c'est t'emmener dans sa présence, dans ce ciel de gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ses promesses. Recommençons la marche avec Élie. Élie a eu une vie remplie de Dieu. De choses surnaturelles. Alors je vais vous annoncer les 25 choses qui se sont passées dans sa vie, dans sa marche. Élie annonce la pluie qui va cesser de tomber à Akab. 2. Élie est envoyé au torrent de Kérit. Savez-vous que quand Dieu parle, c'est quelque chose de surnaturel? Trois, Élie est nourri par les corbeaux à Kérit. 4. Élie est envoyé chez la veuve de Sarepta. 5. La farine et l'huile inépuisables. 6. La résurrection du fils de la veuve. 7. Élie reçoit l'ordre de se présenter devant Akab. À chaque fois que Dieu parle, pour moi, c'est quelque chose de surnaturel. Le feu descend du ciel sur le mont Carmel. Élie annonce le retour de la pluie. La pluie revient. La course d'Élie avec le char et les chevaux. Élie est nourri sous cet arbre, sous ce genêt, pendant qu'il demande la mort par un ange. Il marche 40 jours avec la peu de force qui lui reste. Il arrive à la montagne de l'Éternel à Horeb. Il a des prophéties contre la lignée de la famille d'Akab. Il a des prophéties sur Akab quand Akab a un moment de repentance.
Il a des prophéties contre Jézabel. Il a des prophéties contre la postérité de Jézabel, Akazia. Jézabel. 50 hommes sont consumés par le feu de Dieu. Une deuxième fois, 50 hommes sont encore consumés par le feu de Dieu. Encore une prophétie contre Akazia. Élie est averti par Dieu qu'il va être enlevé. Élie vivra le même miracle que Josué, il jettera son manteau et le Jourdain s'ouvrira en deux. Élie proclamera une prophétie pour la double portion de l'esprit pour Élisée. Élie est enlevé par des chars de feu au ciel vers l'éternel. Amen. Frères et sœurs, Élie a eu cette vie remplie. Tout à l'heure, vous avez confessé avec moi qu'Élie était de la même nature que nous, que nous étions capables de vivre la même chose. À votre avis, je vous pose la question ce matin. Pourquoi Élie a eu tant de choses surnaturelles dans sa vie? Parce qu'à chaque fois qu'Élie a eu la possibilité de répondre oui à Dieu, il l'a fait. C'est l'obéissance qui amène le bras de Dieu à bouger avec la prière. Amen. Voilà, c'était un moment d'introduction que je voulais partager avec vous. Parce que l'obéissance réjouit le cœur de Dieu. Mon frère, ma sœur, si Dieu te dit, lève-toi. Va là-bas. Eh bien, fais ce qu'il dit. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver au bout de ton chemin. Il y aura sûrement la bénédiction ou pour toi. Ou pour ta famille. Ou pour bénir d'autres. J'ai cru comprendre que vous aimiez les témoignages. Voulez-vous que je vous raconte une expérience que j'ai vécue cette année ? Voilà, je vais commencer à vous dire ce qui s'est passé. Donc, pendant 3 jours, je conduis un camion pour nourrir ma famille. Hein. Et s'il y a une chose qu'on a dans un camion, c'est du temps. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont ce travail, faites attention. Dans les moments d'anxiété, quand on ferme les yeux, c'est compliqué. Restez les yeux ouverts quand vous dites. Je louais l'Éternel dans mon camion. Et voici qu'un coup de téléphone se fait entendre sur le portable de l'église parce que je l'emmène avec moi. J'entends une femme au bout du fil, elle me dit « Bonjour pasteur !» Et j'entends cette femme, vous voyez, il y a des accents du sud. Et j'entends que c'est une femme qui m'appelle de l'autre côté de la France. Car moi je suis dans le nord. Et donc cette femme me dit, pasteur, est-ce que vous êtes bien le pasteur de l'église de Reims? Je dis oui, depuis peu, peut-être voulez-vous
Le pasteur qui était en place à l'époque. نيغس إيه ذن كينير لمعنى متيغ تصيا ما ينس فغيضة تهضر ذوك ذوينا كني لا نوقف ليوه. Elle me dit non, pasteur. ثنيت خطير. Je regarde le culte en ligne tous les dimanches. كينير توالي غنجمع مكل السلحد قبلها. Sur la porte ouverte chrétienne. Vi la porte ouverte chrétienne. Et je vis dans une église, ma foi. J'ai vu. Je vis. Je vis dans une église ma foi, mais cette église ne prêche pas la guérison. Et la dernière fois sur le culte, une parole de Dieu m'a été adressée. Parce qu'une complication s'est trouvée dans notre famille en ce moment. J'ai une petite nièce qui, pendant un temps de vacances, a été sur Internet. Et en naviguant sur Facebook, elle découvre qu'elle des photos de son père avec une autre famille. Et donc ma petite nièce, quand elle a vu ça, elle dit mais qu'est-ce que c'est ? Cet homme menait une double vie qu'il avait caché à sa première famille. Cette fille de 19 ans a reçu ce message à travers les photos d'une famille avec son père. Où il se réjouissait. Où il fêtait l'anniversaire de... d'une demi-sœur qu'elle ne connaissait pas. Et cette fille a pris cette nouvelle comme une catastrophe. Elle a commencé à arrêter de se nourrir. Et pour faire vite, cette fille a 19 ans s'est laissée mourir jusqu'au point qu'elle pesait 29 kilos. Ça s'appelle de l'anorexie chez nous. Une maladie terrible. Elle était rentrée dans une façon de penser où elle se disait maintenant, de toute façon, ma vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Ma famille est un mensonge. Tout ce qu'on m'a éduqué depuis que je suis petite, je le saurai par la suite, c'est cette fille qui me l'a dit, ne sert à rien. Alors cette grande tante qui elle avait la foi, dans un moment d'appel au secours, me dit, frère, allez à l'hôpital, parce qu'elle vient de faire 2 arrêts cardiaques dans la nuit. Elle est branchée de partout. Alors moi, petit serviteur de Dieu, j'essaye de donner le meilleur à cette femme au téléphone. Et je lui dis, écoutez, je vais aller à l'hôpital. Mais Dieu avait une surprise pour moi. Déjà, je pensais arriver et rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Alors, j'arrive. J'arrive à cet hôpital vers ce service. C'était un hôpital avec 2 portes. Ici, il y avait marqué unité de réanimation. À gauche, c'était marqué morgue. Et en passant, le Seigneur me met à cœur, cette porte n'est pas pour cette fille.
C'est pour ça que Dallan lui dit Moussa ne m'attire et que je Je dis merci Seigneur de m'équiper de toi. Vous savez, je suis comme Élie, on est que des hommes. On ne sait pas ce que Dieu va faire. On prie. Et celui qui agit, c'est lui. Simplement l'obéissance. Je rentre. Et je vois des portes battantes. Et je suis venu avec ma femme. Ça a son importance. Je tourne la tête et deux personnes arrivent. Un homme et une femme en pleurs. Ils avaient la tête baissée. Au moment où cette femme lève la tête, c'était une chrétienne que je connaissais de l'église d'avant depuis 15 ans. Et c'était la fille d'une de mes sœurs en Christ qui était dans ce lit en train de mourir. Quand je vois cette sœur, elle me tombe dans les bras. Je dis, Seigneur, viens au secours de cette famille. Nous ne pouvions pas rentrer dans l'unité de réanimation sans passer par le corps médical. Et cette sœur a voulu que je parle avec le chirurgien et le médecin. Elle m'a présenté comme ça. Voilà, je vous présente le pasteur, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le chirurgien et le médecin. Je vous présente le pasteur. Il va prier parce qu'on croit en la guérison. Et moi, je suis là. Et je dis, je crois aussi à la guérison. Et pour ne pas les frustrer, et je crois aussi que les médecins ont été mis sur terre par l'Éternel. Et je bénis Dieu que vous ayez fait tout ce travail. Mais dans ce que les hommes ne peuvent plus, Dieu peut. Donc voilà comment ça s'est passé. Je rentre dans cette... ma femme n'a pas eu le droit, personne n'a eu le droit de rentrer, elle était trop fragile. Je rentre simplement avec cette maman. On avait les bonnets, les gants. Et j'arrive et je vois sur le lit un corps squelettique avec des tuyaux qui sortaient de partout, bouche, oreille, nez, en dessous. Et l'ennemi veut toujours vous mettre le doute. Le docteur me dit, ce tuyau-là, c'est le foie. Ce tuyau-là, c'est les reins. Ce tuyau-là, c'est les poumons. Il dit, si j'appuie sur ce bouton, elle meurt tout de suite. Elle est en vie parce que le sérum, le glucose, fait battre son cœur et son cœur a la taille d'une mandarine en ce moment. Il me dit, je ne crois pas en Dieu. Il me dit, pour moi, préparez-vous, elle va passer à côté bientôt. Cet homme sort de la chambre. Je suis travaillé par Dieu par ce verset qui dit Jésus de passait de village en village. Il chassait des démons. Et il oignait d'huile les malades et les malades étaient guéris. Amen. Amen.
Quand cette parole descend dans mon cœur, j'ai toujours en visite une petite fiole d'huile. Et donc j'obéis, je dis: Seigneur, puisque tu me donnes ce verset, alors je vais oindre d'huile cette fille. Je demande la permission à la maman. J'ouvre la bouteille d'huile. Je prie au nom de Jésus. Et je referme la bouteille d'huile, on avait le droit à 10 minutes. Hein. Il ne se passe rien. Je sors. Le doute commence à s'installer. Je dis: au nom de Jésus, tu pars tout de suite. En entrant, tu m'as dit: Seigneur, elle n'ira pas de ce côté-là. Je crois que tu vas le faire. Je sors, toute la famille était dans la salle d'attente. Un catholique priait avec le chapelet d'un côté. C'était son beau-frère. Dans ces moments-là, frères et sœurs, c'est bizarre comme tout le monde commence à prier. Croyant, non croyant. Et voici que toute la famille vient vers moi. Le père était assis sur une chaise en pleurs. Je vous expliquerai pourquoi. Il me voit, il se lève, il vient aussi. Ils me disent: alors. Je dis: alors attendez-vous à Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument, ne venez pas vers moi demander quelque chose que je ne peux pas faire. C'était pas un message de désespoir que je leur donnais. Je dis: vous voulez voir un miracle de Jésus? Alors on perd pas de temps, on se prend les mains et on prie ici dans la salle d'attente. On fait un rond comme ça. Et j'annonce la puissance de Jésus et je dis: Seigneur, maintenant viens guérir cette fille. Une petite prière. J'ouvre les yeux. La famille était en pleurs. La famille était en pleurs. Et je repars chez moi. Et ma femme me raconte dans la voiture. Elle me dit: pendant que tu étais dans la chambre, le Seigneur ce matin m'avait parlé. Et il m'avait dit que l'Éternel ramène le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des pères à leurs enfants. Pendant que j'étais dans la chambre, ma femme a été visitée du Saint-Esprit. Il dit: va dire ce verset-là à cet homme. Elle va vers le père. Elle lui dit: excusez-moi monsieur, je ne vous connais pas. Je sais que vous n'êtes pas croyant. Mais voilà ce que vous dit Dieu. Et je vous dis que que l'Éternel ramène le cœur des enfants à leurs pères et le cœur des pères à leurs enfants. Ça a été tellement comme une épée qui a traversé le cœur de cet homme. Il s'est mis à pleurer, il s'est assis sur une chaise. Voilà pourquoi que quand je suis sorti, il était en train de pleurer sur une chaise. Voilà, je passe les détails, je reviens le lendemain. Je rentre encore une fois dans la chambre. Je continue à obéir, je oins d'huile cette fille. Je dis: Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, donne un signe à ton serviteur. Vois la détresse de la famille. Et je sors, elle a commencé à bouger un petit peu la lèvre comme ça. Et encore une fois, l'ennemi veut mettre le doute.
Une infirmière derrière moi me dit, monsieur, tous les comateux ont des rictus. Ça, c'est rien du tout. Elle me dit, quand je vais revenir de vacances, à mon avis, elle sera partie. Et moi je dis, moi j'ai que faire de votre avis. Et je vous dis, quand vous reviendrez de vacances, ça sera même plus dans ce lit. Écoutez, frères et sœurs, je dis pas ça par rapport à moi-même. Hein. Je me suis pas mis à aller prier pour tous les malades de l'hôpital, ils ont pas tous été guéris. C'était une conviction du Saint-Esprit pour cette jeune fille. Je sors. Je repars. Troisième jour. Je reviens. Nous avions établi une relation sympathique avec le corps médical. Il laisse entrer ma femme avec moi pour prier. Nous entrons. Ma femme et sa maman se mettent de côté. Au moment où je joins d'huile, je proclame la puissance de Jésus-Christ sur ce corps. Je prie, ça dure 5 minutes. Tout d'un coup, je commence à sentir sa tête qui commence à bouger comme ça. Elle ouvre les yeux, elle bâille. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait guéri. Alléluia. Je me tourne, je vois cette maman en pleurs. On n'arrivait plus à parler, on pleurait, on bénissait Dieu dans la chambre. Merci Seigneur. Ce témoignage, frères et sœurs, va avoir un impact de mon église. La grande tante, elle est passée témoigner. Ça a remis le feu dans le cœur des chrétiens. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Cette fille m'a envoyé un SMS il n'y a pas longtemps. C'était marqué, merci pasteur José d'avoir pris du temps pour prier pour moi. Bénis encore tous ceux que tu peux. Maintenant je mange même du poisson alors que j'aimais pas ça. Et j'étais en vacances avec ma famille. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons faire les mêmes choses qu'Élie. Vous avez Jésus-Christ. Tous, vous avez Jésus-Christ. Tous, vous avez l'Esprit de Dieu. Ne te laisse pas accuser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es couronné héritier avec Christ. Dieu t'a couronné. Va parler de Jésus. Les promesses sont pour toi. Tu peux faire du bien autour de toi. Continuons la marche avec Élie. Élie a été l'instrument pour l'appel d'un autre homme de Dieu. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans l'œuvre de Dieu, c'est que Jésus n'appelle pas des engagés. Il appelle des appelés par lui. Il appelle des gens appelés par lui. C'est un appel qui descend dans ton cœur. On ne s'envoie pas de soi-même faire l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. Et après,
Je disais à l'église il n'y a pas longtemps. Des hommes comme Abraham. Comme Moïse. Ou comme Élie. Il y en a peu. Ce qui est important, frères et sœurs. C'est aussi d'être sous le joug, enfin sous le joug, c'est peut-être un peu, excusez-moi, je me reprends. C'est aussi d'être sous l'autorité. D'hommes de Dieu qui sont pleins d'esprit. Et pour ça, nous allons lire un passage. Dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là. Donc il partait de la montagne, hein, on l'avait laissé sur la montagne. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit : Va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair. Et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. 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 Élie arrive. Élias, il حقد. Et il fait quelque chose d'assez étonnant. Il passe, il voit cet homme, Élisée. Et il jette son manteau sur lui. Remarquez, il ne lui dit pas un mot. L'appel de Dieu était déjà dans le cœur d'Élisée. Mais quand Élie jette son manteau sur lui, Élisée, il court vers l'homme de Dieu. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il reconnaît en cet homme l'envoyé de l'Éternel. Si donc l'homme de Dieu vient vers toi, et il te dit, l'Éternel a besoin de toi dans tel ou tel service. Prie dans ton cœur. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Pour Élisée, ça a été une évidence que d'aller sacrifier les bœufs. Il laisse tout ça là. Il offre tout à l'Éternel. Et il se met à suivre l'homme de Dieu. Frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu, il y a des exemples à suivre. N'ayons pas peur de suivre les hommes qui ont des fruits dans leur vie. Si donc Dieu les a oints de son esprit, alors soyons proches d'eux. Considérez la marche de tous les hommes de Dieu. Tout un temps, Paul a été avec Barnabas. Prenez les passages. On dit Barnabas et Paul.
وليثن داغيوك يورا يقارن بلي بارناباس اكوز بول Et au moment où Dieu a voulu que Paul aille plus loin que Barnabas. إما كني سيدي ربي فغار يوكني بول الذي سبعد اشترن بارناباس. Alors tout à un coup on commence à lire Paul tout seul. C'est Paul et Barnabas après. Mais ce que j'aime, c'est que quand Paul revient à Antioche, il est redit Barnabas et Paul. Parce que l'appel de Dieu pour l'église d'Antioche, c'était Barnabas. Donc, le rôle et la valeur, le rôle et la valeur devant Dieu, ce sont deux choses différentes. Mais reconnaître l'Esprit de Dieu dans un homme de Dieu ne peut être bénéfique que pour ta vie, mon frère, ma sœur. Je disais ce matin au pasteur Salah, pour moi, aujourd'hui, je n'ai aucun mal à me soumettre à des gens qui me montrent des fruits dans l'esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que ma soumission à ces hommes n'est pas une servitude. Mais parce que je suis soumis, alors je suis béni. Je reçois plus que ce que je donne. Comme je vous ai dit, quand je viens dans cette église, c'est vous qui me bénissez. Vous, les hommes de Dieu qui sont ici. Les enfants de Dieu qui sont là. Donc Dieu avait mis l'onction et l'appel dans le cœur d'Élisée. Puis Dieu a permis qu'Élisée rencontre Élie. Élie était l'homme de Dieu qui a été le moyen de l'appel d'Élisée. Sinon Élisée aurait continué à labourer son champ. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors bénissez les hommes de Dieu qui sont avec vous. Écoutez leurs conseils. Soyez attentifs à ce qu'ils vous prêchent. Parce que si Dieu met un berger dans une église ou plusieurs, c'est parce que c'est sa volonté à lui. Ils ont quelque chose à vous dire. Et le leader de l'église a la vision pour l'église. Et ça, je le crois. Il n'existe pas d'église où il n'y a pas de berger. C'est pas vrai. Ne croyez pas ça. C'est faux. On disait ce matin que dans un bus, il n'y a qu'un chauffeur au volant. Et à la tête d'une église, il y a Jésus-Christ. Et l'homme que Dieu a choisi pour la conduire. Avec tous ceux qui sont dans la bergerie. Amen. Que Dieu soit béni pour l'église. Ça a été une expérience toute nouvelle pour Élie. Parce que imaginez-vous, Élie a reçu cette parole. Élisée sera prophète à ta place. On a dit qu'il était de la même nature que nous. Jacques nous le dit. Mais il a dû se poser des questions, Élie. Ne suis-je pas celui que tu as choisi, l'envoyé? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de ma dépression?
Ça va pas, c'est Est-ce que tu me rejettes? J'ai fait quelque chose de mal? Tous ces questionnements devaient être dans la tête d'Eli. C'était un homme comme vous et moi. Il nous est rien dit de la réaction qu'Eli a eue à ce moment-là. Mais mon frère, ma sœur, passer des moments de flottement, de ne pas savoir où on va. C'est voulu de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que ça nous oblige à plier le genou et à prier, à chercher sa volonté. Ça nous scelle dans la prière. Alors je vous pose la question. Pensez-vous qu'Élisée fut choisi à la place d'Élie parce que ce dernier, il était impropre au service? Est-ce que son ministère devenait stérile? Non, on a lu tout à l'heure tout ce qui s'est passé encore par la suite. Dieu avait changé d'avis, il était trop vieux. Mais c'est évidemment que non. Dieu glorifiera son serviteur. Dieu le portera en honneur. Et nous le verrons à la fin de ce message. Parce que l'expérience que Élie va vivre en quittant cette terre, est une expérience que lui seul a vécue pour l'instant. Seuls ceux qui seront là au retour du Seigneur pourront vivre une chose pareille. En fait, Dieu est très clair. J'ai choisi de te remplacer, mais de continuer l'œuvre. Il faut préparer les générations à venir. Nous avons un temps sur cette terre. Et l'Éternel le sait. C'est lui qui nous a créés, il sait tout. Et donc il avait prévu le moyen pour que le travail qui n'avait pas été fini. Si vous lisez la vie d'Élie, il lui avait dit, tu oindras Azaël, Jéhu et Élisée. Il n'a eu le temps que de oindre Élisée. Tout le reste sera pris par le prophète Élisée par la suite. Dieu est un Dieu de miracles. Il prépare tout à l'avance. Alléluia. Dieu prépare les cœurs afin que si tu as un appel dans ta vie, eh bien, tu puisses répondre, oui Seigneur, amen, je vais vers toi. Est-ce que tu es prêt à répondre à ce que Dieu veut dans ta vie? Oui ou non? Amen. Amen. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je suis à toi.
dedans tout.